dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant, il est marrant. Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. T'es, je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode. Et après, que personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est logique. C'est sportif, c'est sportif. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Alors, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. C'est ça, c'est des affaires. Hein. BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle, 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ses matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact, c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL, BHL oh.